Good morning, good afternoon, good evening. My name is Pierre M’PELE, but you probably know me as PAM BOY. We are in the heart of Paris Fashion Week, the Palais de Tokyo, and I'm speaking today with PR extraordinaire Lucien Pagès, who will tell us a bit more about what it means to be a PR in 2021. Bonjour Lucien, comment Bonjour ça va? Bonjour Pierre, ça va très bien et toi? Très bien. Alors ma première question, j'ai envie de te demander comment devient-on Lucien Pagès? Je ne sais pas. Je pense que c'est par un extraordinaire concours de circonstances. J'ai jamais voulu être PR dans ma vie. Ce n'était pas du tout mon rêve, ce n'était pas du tout un goal. Je voulais travailler dans la mode, j'habitais en province, je rêvais d'habiter à Paris. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'amour de Paris ou l'amour de la mode, lequel des deux m'a conduit à venir à Paris et à faire une école de mode sans trop savoir où j'allais terminer. Je voulais être designer. Je pense que quand tu fais une école de mode, tu rêves toujours de devenir Yves Saint Laurent ou Jean-Paul Gaultier. Voilà. Et puis très vite, j'ai vu que je serais un très mauvais designer. Et je me suis dit, mais j'aimais la mode, j'ai fait plusieurs jobs, j'ai travaillé dans des magazines. Et puis après, ben, finalement, j'ai eu une opportunité de devenir attaché de presse, d'avoir mon propre bureau. Et voilà, et je l'ai fondé sans avoir d'expérience, de fichiers, de choses comme ça. Et c'était une époque différente, c'était 2006. Donc, c'était même pas qu'il y avait les réseaux sociaux, j'aurais pu me faire connaître ou créer une communauté ou quelque chose comme ça. Oui. C'était vraiment un truc du vieux monde. On a ça en commun parce que j'ai fait une prépa en mode aussi avant de me rendre compte que j'avais aucune patience et que je ne pouvais pas finir les vêtements. Mais on parle depuis un an de la pandémie et des effets qu'elle a eu sur la mode. Comment toi, tu l'as ressenti dans ton travail? Je pense que la pandémie a accéléré des choses qui étaient déjà dans l'air du temps, qui étaient déjà en train de se passer, ça a juste accéléré. C'est-à-dire la digitalisation, le fait de faire des défilés en digital, c'est une excroissance de ce qui avait commencé avec inviter des influenceurs à des défilés. Enfin, c'est-à-dire on pousse au paroxysme la digitalisation, mais elle était en marche. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on est une industrie qui a besoin des défilés, qui va revenir aux défilés. Et on le voit, là, on a déjà des défilés pendant l'homme, on en a pendant la couture. En septembre, on ne travaille que sur des propositions de défilés et d'événements. Donc, on sait que ça va revenir, même si à un moment, ça a été un peu remis en question. Mais ça reviendra avec le digital qui aura été incorporé, qui sera renforcé, qui viendra sûrement complémenter ce que nous faisons en physique. C'est-à-dire, on ne va pas revenir en arrière, on va utiliser tout ce qu'on a appris pendant la pandémie pour aller de l'avant et être encore plus percutant. Oui, et en parlant des défilés, on a beaucoup entendu la fin du runway show, la fin des défilés de mode, et on se rend compte que c'est peut-être le format le plus adapté pour présenter des collections. Oui, moi, je n'ai jamais douté, en fait. J'ai laissé les gens parler parce qu'ils avaient envie de dire des choses très, très dramatiques. Donc, c'est la fin des défilés. Et je les ai laissés parler parce que j'y croyais pas du tout. Le défilé, c'est notre concert de rock à nous, c'est notre stade de foot. C'est là où l'énergie se crée. C'est comme ça que la mode présente le mieux son travail. Donc, j'ai jamais pensé que ça allait se terminer. Et un défilé en digital, aussi beau soit-il, ne donne pas le frisson qu'un défilé donne. Et ce qui est très étrange aussi, c'est que ce frisson, même s'il est, il n'est pas accessible au plus grand nombre, je pense qu'il est ressenti au-delà, en fait. C'est vrai. Donc, cette énergie, ce sentiment qu'on a après un défilé très réussi ou très raté, je pense que les gens de l'extérieur le ressentent aussi, même s'ils n'y ont pas assisté. Ils voient ce que les gens postent, ils voient, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose de très important pour toi, c'est soutenir la jeune création. Il y a beaucoup de jeunes marques dont tu t'occupes. Pourquoi c'est important de soutenir la jeune création, particulièrement en 2021, après la pandémie, après les conversations qu'on a eues autour de la diversité et de l'inclusion? Je ne me pose même pas la question parce que j'ai toujours représenté la jeune création. J'ai eu plus de mal à représenter les gens très riches. Donc, c'est venu après la jeune création. Donc, le fait que j'ai fait ces études de mode et que je ne suis pas un créateur frustré, oui. Mais je suis quelqu'un qui n'a pas pu
aller dans la création. Donc du coup, j'ai infiniment de respect pour la création. Donc pour moi, les créateurs émergents, les jeunes créateurs, comme on appelle, c'est capital parce que c'est ce qui régénère la mode. Donc je vois, il n'y a même pas de sujet. Et nous, on est connus pour ça, pour dénicher des talents. J'ai l'impression que tu es vraiment un catalyste. Tu essayes de soutenir les jeunes designers et de créer des synergies qui pourraient ne peut-être pas exister si tu ne faisais pas ce métier-là. On parlait des défilés de mode. Moi, je suis très curieux de savoir le premier défilé auquel tu as assisté. Alors, c'est horrible. moi, je suis arrivé à Paris en 93 pour faire l'école de la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Et on essayait de rentrer dans les défilés. Et j'avais réussi à rentrer dans un défilé rocco-barocco. Ah oui? Oui, je ne sais même pas si les gens se rappellent que ça existe. C'est un créateur italien. Et il y avait, et je me rappelle toujours de la musique, c'était UB40. La reprise de Elvis Presley. Et c'était une musique qui mettait à tous les défilés. Et ça, c'était, le défilé commençait comme ça. Et il y avait une fausse Liz Taylor. Ils avaient invité un sosie de Liz Taylor. Et elle était même deuxième rang. Donc c'était complètement absurde. Parce que... Donc je m'en rappelle très bien. J'avais réussi à rentrer dans ce défilé. Nous sommes pendant la Fashion Week masculine. Menswear, c'est une partie de l'industrie qui grandit de plus en plus vite, un secteur qui grandit de plus en plus vite. Quels sont les jeunes designers menswear qui t'excitent, toi ? Le menswear est devenu un peu une source incroyable de créativité. C'est comme si c'était le dernier rempart un peu. Oui. Parce que la femme, on a l'impression qu'on a un peu tout dit, même si ce n'est pas vrai, parce qu'on voit encore des choses très spectaculaires et sublimes qui nous surprennent. Mais l'homme, c'est encore le dernier territoire. Parce que la femme, elle peut être glamour, elle peut être grunge, elle peut être tout ce qu'on veut, rock'n'roll, bon, on connaît. Oui. Mais l'homme, il y avait des territoires aussi sur la masculinité, la féminité, qui ont été abordés très récemment, en fait. Donc, il y avait quand même des territoires à explorer, il y avait encore des mentalités à changer aussi. Des mentalités à changer, ouais, exactement. Ça ne peut pas se résumer qu'à masculin, féminin aussi. C'est aussi les matières, c'est la sustainabilité, c'est le sportswear, c'est qu'est-ce que c'est être formel aussi, c'est très intéressant. Oui. On voit de plus en plus d'hommes qui sont censés être sérieux, qui vont maintenant peut-être un peu tomber le costume et avoir des sneakers, mais très chers. Enfin, il y a tout un tas, une redéfinition de l'élégance masculine qui est intéressante. Oui, j'appelle ça moi un peu le phénomène Silicon Valley. Oui, exactement, totalement. Les billionaires d'Internet qui sont en capuche et qui pourtant, il y a quelques années, auraient pu être en costume, quoi. Oui, et qui peut-être arrivent au restaurant à Paris, 3 étoiles Michelin, se font refuser l'entrée alors qu'ils pourraient racheter le restaurant. Mais Dernière question, Lucien. Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée sur ton téléphone ? Alors, j'ai retéléchargé des albums de Nirvana que j'avais pas écouté depuis longtemps, et c'était Rape Me. Ben, merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. On est à la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo, et à plus tard. Rape me, my friend.